T'as vu Midorhead? Salut. T'en viens, Père Rouget? Ils sont bien, mais ils sont tenus. Moi aussi, je te retiens. Je te remercie pour la soirée d'hier. Quelle foirée. On fait pour celui qui comprend pas. Ton client, là, ton espagnol. 12 verres cassés, ça te dit rien? Dis donc, toi, primo, ça fait 15 ans que je t'interdis de me parler. Deux yeux, si tu voulais pas qu'il boive, t'avais qu'à pas le servir. Alors là, monsieur Quentin, je te rétorque que primo, je l'ai viré. Deux yeux, des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. Un ivrogne? Oh, ben un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas. Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, est le père Bardas. Les grands ducs et les boissons soif. Les grands ducs? Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond. Vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole, l'espagnol? C'est pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Combien qu'il fait, ton lot de Rouget, là? 300 francs le kilo. Je te préviens que j'en ai retenu la moitié. Eh ben, moi, je prends le tout. Allez, emballe-le-moi, je vais venir le prendre. Décidément, on peut plus causer de rien avec toi, tiens. T'es trop con.